Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Héros et Compagnie et dans le monde merveilleux, chatoyant, coloré de Lego Super Mario, une gamme de Lego, vous le savez, que j'affectionne particulièrement parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo et en particulier l'univers de Mario. Là, vous avez un exemple de des petites choses que vous avez déjà vues sur la chaîne. Aujourd'hui, on continue, car je vous l'avais dit, nous avons encore des 7 Lego Super Mario à découvrir. Et aujourd'hui, nous allons faire celui-ci. Et oui, voilà le 71-376, la chute de Twomp. Twomp, si vous jouez aux jeux vidéo, si vous connaissez Mario, il ne devrait pas vous être inconnu, notamment dans la série des Mario Kart où Twomp cherche sans arrêt à nous écraser. Donc ce 71-376, ce n'est pas un set une nouveauté, ce n'est pas un set 2021, mais un set 2020 que j'ai un peu tardé à vous présenter. Et ce set d'extension coûte 39,99€, on va donc dire 40€. Pour 393 pièces, ça paraît comme ça au premier abord un peu cher, vu la structure, parce que on le voit, c'est juste une grande tour, ça paraît cher, et on va voir si ça vaut son prix ou pas. Voilà, je sais pas du tout comment on va faire au niveau jouabilité, mais en tout cas ça m'a l'air plutôt cool. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut éviter justement de se faire écraser par le Twomp. Voilà, 393 pièces, on y va, on ouvre tout ça. Et on est parti pour l'assemblage. Alors en termes de personnages, nous avons deux sortes de persos. Nous avons bien entendu le gros Twomp. Et on a également deux petites bulles de lave qu'il va falloir éviter pour pas se faire brûler. Alors, combien de sachets dans cette boîte, les amis? 4 sachets. 1, 2, 3, 4. Sachant que le sachet, difficile à dire ça, hein, sachant que le sachet numéro 1 contient que des bulles de lave, ils auraient pu s'en passer et facilement intégrer ça dans le sachet suivant, ça nous aurait fait 3 sachets. On a également une espèce de barre technique, ça va être la structure, je pense, le mât principal de Twomp, et nous avons cette brochure qui ne sert finalement pas à grand chose, si ce n'est nous inviter d'aller télécharger l'application. Mais ça, vous le savez déjà depuis le temps qu'on fait des Lego Super Mario ensemble. Nous allons donc démarrer l'assemblage avec la classique tablette, vous l'avez maintenant vu assez fréquemment. La chute de Twomp est juste là. On va donc construire nos deux bulles de lave qui va nous permettre, je pense, d'intégrer ensuite le set dans le monde. Ça y est, c'est fait. Voici nos deux bulles de lave. Elles sont réellement très très sympathiques. Ce que j'aime particulièrement, c'est non seulement la couleur, mais le fait que ce soit des briques transparentes. C'est vraiment extrêmement joli. J'ai pas encore scanné la bulle de lave pour intégrer le set. On va le faire ensemble. Hop. Je vais allumer Mario. Salut Mario! Voilà, on y va en direct. Hop! Tu as ajouté un nouveau set. Alors où est-ce qu'il va se mettre? Paf! Un de plus. Waouh, il est énorme celui-ci. Il prend la place, toute la largeur de l'écran. Allez, on va continuer maintenant. Sachet numéro 2 avec la construction de la structure de Twomp. C'est parti! Alors les gars, je viens de finir la construction du sachet 2 et voici ce que j'ai fait. Une première petite plateforme où prendra sans doute place une des deux bulles de lave. On voit qu'il y a un petit flambeau là qui brûle sur le côté. Et la structure principale de notre set qui est cette fameuse glissière qui est vraiment plutôt bien réalisée, assez astucieuse. Là j'aime beaucoup les pièces tampographiées squelettes, ça c'est vraiment super chouette. Et donc c'est là que Mario, c'est grâce à cette glissière que Mario va devoir échapper à Twomp
Par contre, chose étrange, j'ai revérifié deux fois la notice de montage. Après la fin du sachet 2, il me reste ces pièces-là. Alors généralement, on a toujours des petites extra parts, mais là, on a quand même des choses en plus. C'est comme si j'avais oublié en fait de construire quelque chose. Et pourtant non. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai ça en plus. C'est pas très très logique, puisque à l'étape suivante, nous passons directement au sachet numéro 3. Donc ça veut dire que ça, normalement, j'en ai plus besoin. Et en général, Lego ne donne pas de pièces supplémentaires de ce gabarit. Donc on continue avec le troisième sachet. Et on verra en fin de construction si réellement elles nous restent sur les bras, ces pièces, ou pas. Let's go, là, on va fabriquer justement le mât de Twomp grâce à cette pièce-là, notamment. C'est parti! Sachet 3 terminé, nous avons encore construit de superbes trucs. Une petite plateforme munie d'une petite pédale, d'un petit balancier qui permet justement de faire basculer cette plateforme. Et je parierais ce set que c'est la bulle de lave qui va prendre place ici, et paf, on va pouvoir la basculer comme ça, on verra ça tout à l'heure. Mais surtout, on a construit un truc de malade. Regardez, la structure principale, le rail où Twomp va descendre, et mine de rien, franchement, mine de rien, il y a pas mal de construction sur cette pièce. Et je dois vous avouer que je suis en train de reprendre ma position, de revenir sur mon avis sur ce set. Au début, je dois avouer que j'avais un petit a priori en le voyant. Je me disais que c'était vraiment pas grand chose. Et je me demandais comment tout ça allait fonctionner. Eh bien, mine de rien, on s'en rend pas compte. Mais la construction est belle. Elle est vraiment très très belle. Il y a des petits mécanismes qui sont vraiment extrêmement malins. On ne sait pas encore pour l'instant à quoi ça sert. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on actionne ce petit levier tout en haut du mât ici, nous avons en bas, vous le voyez, des petites choses qui se passent. Et voilà, c'est pour ça que j'aime finalement faire des Legos. C'est pour ça que j'en fais autant. Car quand je commence un set, j'ai pas d'avis. Je ne sais pas comment les choses fonctionnent. Et je me dis, mais où les ingénieurs ont voulu en venir? Comment est-ce que ça va se passer? Et au fur et à mesure de la construction, vous assemblez la chose et vous découvrez progressivement comment tout ça fonctionne, comment tout ça s'embrique. Et là, vous vous dites bravo. Là, je me dis bravo, respect. C'est top, ça fonctionne super bien. Et c'est ça qui est quelque part la magie de Lego, c'est de découvrir au fur et à mesure ce qu'on peut faire avec toutes ces pièces. Pour l'instant, j'en sais pas plus. On va voir comment tout ça va fonctionner une fois que ça sera assemblé. On a encore le sachet 4. Autre mystère, c'est que j'ai toujours mes pièces en plus, mais je dois en rajouter d'autres, comme par exemple cette pièce plate rouge de 3x2. Je trouve ça louche, car j'ai comme le sentiment d'avoir oublié de mettre une pièce quelque part. Pourtant, j'ai vérifié et ça manque nulle part. Et je sais par expérience que des pièces comme ça, normalement, Lego les laisse pas. Donc, mystère et boule de gomme. Bon, on y va. On attaque le sachet 4. Cette fois-ci, nous allons construire Twomp. On assemble tout ça et on pourra enfin tester ce set qui est donc la chute de Twomp. Et oui, cette espèce d'amas de pièces multicolores, ça va bien être Twomp. Pour vous montrer simplement que c'est pas juste un amas de pièces grises, il y a de la structure à l'intérieur. Lego a vraiment mis des choses de toutes les couleurs. Pourquoi? Je pourrais pas vous dire, mais c'est quand même d'une certaine complexité, donc il y a de la recherche. Et voilà, on en a fini avec la structure principale de la tête de Twomp. Vous le voyez, je le disais tout à l'heure, c'est une structure quand même complexe et pas juste un empilement de pièces grises. Et là, maintenant, on va fermer avec ces grandes plaques mates unies pour que nous ayons ici, sur les trois faces, quelque chose de lisse. Un cube, quoi. Et là, à mon avis, on va devoir mettre le visage de Twomp. Et le voilà, ce fameux visage, on y est, regardez. Il est beau, non, avec ses piquants tout autour. On le met comme ceci. Et il est impressionnant. Pas totalement fini encore, mais déjà, ça impressionne. Et on a une tête quand même d'un poids assez conséquent. Et je pense que ce poids aura un rôle à jouer, justement,
dans la jouabilité et dans la chute de Twomp. C'est bien comme ça que le set s'appelle d'ailleurs. Et voilà les amis, on a fini la construction de ce set, la chute de Twomp, l'ensemble est opérationnel et vous allez voir, c'est juste exceptionnel ce que nous avons fait ici. Twomp est prêt à écraser Mario, il est là tout en haut, tout en haut, tout en haut. Il attend qu'une chose, c'est de pouvoir chuter lourdement sur lui. Voilà à quoi ça ressemble une fois que tout est monté. On a une belle structure, franchement, c'est top. Et j'ai trouvé réponse à mes questions, car regardez, les extra parts, finalement, il ne reste plus que ça. Nous avons utilisé les dernières pièces, celles de mes interrogations, pour faire l'assemblage de tous les éléments et la finition. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ces pièces se retrouvent prématurément dans les sachets 2 et 3, alors que c'est utilisé à la fin. Ils auraient pu joindre ça dans le dernier sachet, par exemple, le sachet numéro 4, histoire de pas nous faire semer le doute, à moins que ça soit volontaire. Voici donc toute la structure, je vais vous expliquer comment ça se passe d'ici un instant. On va quand même jeter un petit coup d'œil. Je vous l'ai dit, hein, au départ, j'avais vraiment l'impression que ça allait être un set au rabais, vu la forme générale. Mais vous l'avez vu, et je vous l'ai dit pendant la construction, eh bien, on a quand même, ici, on a un petit mécanisme vraiment astucieux. La tête de Twomp est vraiment constituée et d'une relative complexité. Il y a des choses là-dedans, donc ça, c'est vraiment plutôt bien fait. Et je dois vous avouer que j'ai vraiment passé un très très bon moment à assembler ce set. Il était vraiment extrêmement plaisant, tout simplement parce que, bah, pour ce que j'ai dit, pour toutes les petites choses qu'on découvre au fur et à mesure de l'assemblage, j'ai trouvé ça réellement top et vachement bien fait. Et maintenant, eh bien, on va tester. Je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne. L'objectif de Mario sera bien entendu de passer par ici, mais surtout de terrasser le Twomp qui est tout là-haut, et qui va s'écraser. Vous le voyez, il a un code-barre qui est juste là, qui permet justement de terrasser Twomp. Pour l'instant, il est caché, il est inaccessible. Mario ne pourra que sauter dessus lorsqu'il sera tombé. Alors attention, Twomp, il est super fort. Je vous ai montré l'autre jour le mini Twomp. Il est là, regardez, le Twimp que vous avez dans les pochettes surprises. On dirait le bébé. Maman, maman, maman. Ou papa, je sais pas. Lui déjà était très fort puisqu'il fallait le taper 3 fois avant de pouvoir récolter les pièces d'or. Eh bien lui, Twomp, il va falloir le taper 5 fois. Donc attention au temps, ne perdez pas trop de vos précieuses secondes. Sachez que ça passe très très vite quand vous faites surtout un parcours très très grand. Alors maintenant, comment tout ça fonctionne? Alors je vais vous le montrer, vous allez voir, c'est top. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 niveaux de difficulté que vous choisirez en fonction de votre niveau et de vos envies. Vous voyez la plateforme là, c'est celle qui va donc coulisser de droite à gauche et c'est sur laquelle Mario va prendre place. Eh bien, vous allez devoir choisir entre la première plateforme qui n'a pas de tenon, c'est une plateforme qui est donc lisse et où Mario risque, vous le voyez, il glisse, il risque de tomber et peut-être, paf, de tomber dans la lave. Ou alors vous jouez la sécurité, et là, vous prenez la plateforme avec les tenons. Ici, Mario n'a aucun risque de tomber. On va voir si ça a un impact sur les pièces d'or ou sur le chrono, le fait de choisir l'un ou l'autre. Ensuite, vous les avez vus en début de vidéo, nous avons les petites bulles de lave. On en a une première à claquer ici, paf, en tapant une fois dessus. Et on en a une deuxième avec ce petit mécanisme très astucieux à bascule. On sent que la petite bulle de lave va voler, et à mon avis elle va voler une fois que Twomp va chuter et va taper dessus. Et comment Twomp justement va tomber? Eh bien c'est extrêmement simple, vous allez voir. Eh bien Mario va devoir faire des allers-retours sur cette glissière, et à chaque fois qu'il va passer sous Twomp, vous avez ce petit mécanisme qui va bouger d'un cran, de 2 crans, et ça aura pour effet de faire tomber un peu plus Twomp jusqu'à la chute. Et quand ça arrivera, Mario n'aura pas intérêt à se retrouver juste là, tout en dessous, sinon il va se faire écrabouiller. Mais regardez ce qui se passe. Vous êtes prêts? Clac! C'est bien ce que je pensais, lorsque le Twomp chute, il frappe fortement sur ce petit levier et éjecte notre bulle de lave, comme ceci. Paf!
Et voici le petit parcours que j'ai imaginé, les amis, pour cette vidéo. Un parcours qui va être court, c'est pas la peine de le faire super long, et pour cette raison, j'ai choisi d'utiliser le tuyau de 30 secondes que je vous avais présenté dans le set de créateurs. Un tuyau qui sera largement suffisant, en tout cas on l'espère. Pour terminer ce petit parcours, j'ai également rajouté des petites choses. Donc j'ai rajouté ça, j'ai rajouté bien entendu la ligne d'arrivée qui se trouve uniquement dans le set de démarrage. J'ai également rajouté des petits personnages que je vous ai présentés l'autre jour, qui m'ont été offerts par un abonné. Il s'agit du petit Twimp. Donc là, Mario va devoir passer par là et le terrasser lui également. Attention, 3 coups. Et j'ai également rajouté cette petite passerelle que j'ai agrémenté de quelques petites flamèches ainsi que d'un Goomboss. Donc voilà, on va avoir à faire tout ça en 30 secondes, à savoir 2 bulles de lave où il faut taper une fois, 5 fois pour le Twomp, 3 fois pour le Twimp et une fois pour le Goomboss. Attention, 30 secondes, est-ce que ça va suffire? On va voir ça ensemble, on est parti, on teste tout ça. Allez, let's go. Bon alors Mario, tu te sens prêt? Allez, on y va. Il n'y a pas une seconde à perdre. 3, 2, 1. La bulle de lave pour commencer. Allez, c'est bon. Attention au passage. 1, 2, 3. C'est bon. Twimp. Non, Twomp. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, on l'a eu. Twimp. 1, 2, 3. C'est bon, je l'ai eu. Vite, vite. Le Goomboss. Et je finis. J'ai fait combien? 31. C'est plutôt pas trop mal. Mais vous le voyez, on ne peut pas traîner. Alors il y a une bulle de lave que j'ai pas explosée, car elle, de toute façon, elle est éjectée par la chute de Twomp. Donc ça fait quand même un personnage de moins à scanner. Mais néanmoins, on est quand même tout juste. Et on s'éclate plutôt pas mal avec ce set. Bon, vous l'avez vu, c'est super cool, on va essayer de se le refaire, ce parcours, encore une fois, et après j'essaierai la version difficile, sachant qu'il n'y a pas de différence de temps ou de quoi que ce soit, simplement lorsque Mario tombe, lorsqu'il chute, eh bien, vous le voyez, il est complètement sonné, mais sinon, à part ça, pas de différence. Allez, on va se le refaire, 3, 2, 1, et c'est parti. Bim, hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, je l'ai eu. Hop. Et on finit. Ouais, c'est pas terrible, j'ai fait 31 la dernière fois. Bon, bof. Hein, plutôt bof, on va dire. Je sais pas, j'ai peut-être eu un problème avec Twomp. J'ai peut-être pas réussi à le taper 5 fois, j'ai pas fait attention. Bon, toujours est-il que on va se le retenter, cette fois-ci en mode difficile. On remet tout en place. Lui, il a tendance, le Goomboss, il a tendance à partir également parce que il est pas fixé sur la plateforme, forcément. Il faisait pas partie du set également. Donc, mode difficile, où est passée ma petite bulle de lave? Elle est partie, je ne sais où. Là, voilà. Bon, maintenant mode difficile, la plateforme sans tenon. Et là, je sens que dans le stress des 30 secondes, ça risque d'être un peu plus compliqué. On y va. 3, 2, 1. Et on démarre. Bim. Attention, là, faut y aller délicatement. Ah, je suis paumé. Donc, vous avez vu, je suis tombé. Twomp s'est effondré. Là, je pense que j'ai perdu pas mal de temps. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 1, 2, 3. Bim. Goomboss, boum. Ouf. Et on finit. C'est quasi impossible de jouer en mode difficile. Ça glisse de trop. Et là, j'ai eu 23. Mine de rien, j'ai quand même fait un tout petit peu mieux. Vous l'avez vu, on s'éclate, on s'amuse énormément avec ce set Lego Super Mario, la chute de Twomp, tout comme les autres sets. Mais je dois vous avouer que j'ai quand même une petite préférence sur celui-ci. Je trouve le concept vraiment très très bien. Le fait qu'il y ait 2 niveaux de difficulté, ça rajoute également un peu de piment au niveau. Et si vous avez encore d'autres pièces comme moi, vous voyez, de lave, vous allez pouvoir vous faire des mondes de fou. J'ai encore ces petites tours, ces petits chemins de lave que je pourrais rajouter, ainsi que des petits méchants qui viennent d'autres sets. Bref, les possibilités sont illimitées.
vraiment infini. Il n'y a que votre imagination, votre créativité qui va vous freiner. Et là, avec 3 fois rien, j'ai déjà créé un petit niveau sympathique. On pourrait faire beaucoup plus grand en enlevant le tuyau de 30 et en mettant un niveau de 60. Et là, de se faire quelque chose d'un peu plus ambitieux. Donc voilà, la chute de Twomp, ce set Lego Super Mario, n'est pas un set au rabais. Bien au contraire, la construction est vraiment bien, les petites mécaniques sont très très bien pensées, et je trouve que le concept de jeu, réellement, est super, super, super top. Maintenant, eh bien les amis, j'attends de voir ce que vous vous en pensez de ce set, vous l'avez peut-être déjà, dites-moi tout ça juste en bas dans les commentaires, n'oubliez pas les petits pouces bleus au passage, ça réellement, c'est vraiment super top de votre part et super sympa, et pour ceux qui sont pas encore abonnés, bah, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, cliquez et activez la petite cloche, comme ça, vous serez prévenus automatiquement lorsque je mettrai de nouvelles vidéos. C'était la chute de Twomp, un super set Lego Super Mario, un de plus encore. Où est-ce qu'on va s'arrêter? Franchement, dans l'ensemble, il n'y a absolument aucune déception. Je vous salue, je vous retrouve très très bientôt pour de prochaines vidéos de Lego Super Mario, ça va sur Super Héros et compagnie bien sûr. Et en attendant, portez-vous bien, à très très vite, bye bye, ciao.